panorama. Le stage le plus stressant de notre vie. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus dur? C'est que tous les jours, on est obligé d'aller promenade dans... Donc Christelle, 4 jours ici, sachant que toi tu n'as pas encore de projet bien fini comme tu nous l'avais raconté. Voilà, donc, moi c'est un projet probablement en commun avec mon conjoint, ouais. Un projet courant 2019 voire maximum 2020 dans la région, ouais. Proche, côtière, la presqu'île, ouais. Voilà, nazérienne ou guérandaise, ouais. Voilà. Plus sur un local, je pense, que sur un food truck. Ouais, plus en fixe. Voilà. Et puis moi, c'est un virage de vie professionnelle. Hein, souvent. Voilà. J'ai fait le tour, 36 ans d'un métier. C'était quoi ton métier avant? Donc la coiffure, je vais donc passer des ciseaux au Roselle. Donc voilà, ça va changer. J'ai quand même besoin d'un contact commercial, ça c'est évident, ça pouvait pas être autrement. Je suis née comme ça. Enfin, ça fait un petit moment qu'on cherche le local, mais voilà, faut le trouver. Il faut trouver le bon surtout. Prévoir. Mais pourquoi plus la crêperie? Moi, c'est un. Ah bah moi, j'ai ça en tête depuis, je sais pas, entre 15 et 20 ans. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que je me prouve à moi-même si c'est vraiment un truc que j'ai en moi. Ou si c'est un truc qui passe comme ça, voilà, non, je pense que... Ouais, non, je pense que ouais, c'est pas ça. Voilà. Je me suis régalée. J'ai appris plein de choses. J'ai trop mangé. trop bu. Non, je me suis vraiment régalée dans la technique. C'est venu ouais, assez bien, quand même, je dirais. J'ai pas trop cherché. Et puis, bah, l'ambiance... c'est un professeur qui m'est très à l'aise, à tout. Et puis les petits derrière, ils sont super aussi. On a passé de bons moments, on a appris plein de choses autres aussi que la crêperie. C'était vraiment un moment fort. Tu sens le professionnel qui est en toi et qui a envie de donner son savoir, enfin de l'étendre partout dans le monde. C'est mieux comme ça. Ouais, mes 4 jours se sont très bien passés. Ouais. Ce que je retiens, c'est surtout bon, la base déjà, c'est de tourner les crêpes. Ouais. Donc j'ai vu en 4 jours que mon niveau a accéléré. Quoi. Ouais. Ça vient aussi, c'est au niveau des aliments, des goûts, des saveurs. C'est-à-dire que je peux vraiment faire vraiment par rapport à ma personnalité, mon profil, ce que je recherche au niveau des saveurs, où je suis le plus à l'aise. Tu veux t'installer en food truck, si j'ai bien compris. Exactement, en Angleterre. C'est-à-dire, moi, mon projet, c'est de partir en Angleterre, dans le sud, au bord de la mer, comme à Saint-Nazaire. Mais sachant que toi, tu as déjà travaillé en Angleterre, donc tu es un peu quand même à l'aise avec le monde anglo-saxon. Oui, j'ai hâte de faire découvrir les crêpes. Et ici, ouais. Avec l'idée du marché. D'accord. Et je vais toujours le faire, hein, aller marcher. Mais maintenant, je sais plus. J'hésitais entre le food truck camion et la remorque food truck. Ouais, et là, voilà, exactement. Et là, je sais ce que je veux faire et je me pencherai plus vers la remorque. D'accord. Par rapport à. J'ai fait un peu mes calculs, les plans, etc. Et je me vois plus avec une remorque. Et puis, les avis aussi que j'ai entendus depuis les 4 jours, les gens qui sont passés ici à l'école et puis toi, ce que tu m'as dit. Et puis voilà quoi. Hein, je sais un peu plus ce que je veux, ce que je veux pas. Ouais, et où j'avais des doutes, ben, j'ai balayé pas mal de trucs. Et aussi, ce que tu aimes bien, c'est le caramel. Le caramel aussi, entre autres. Je vais faire pas mal de pots. Hein. Oui, vu que les Anglais, ils aiment bien aussi les salons de thé, tout ce qui est thé, lait, sucré, goûter, beaucoup de goûter chez eux. Ouais. C'est vraiment une culture. À 16h, tout le monde est au goûter. Donc le caramel, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai bien aimé découvrir dans les 4 jours. Ton projet, c'est à quelle échéance pour finir avec ça? Ça commence à la fin de l'année là. Ah oui, carrément. Oui, là j'ai, j'ai déjà demandé les autorisations pour le marché. Ouais. Et ça prend 60 jours
pour avoir une réponse. En tout cas, moi, je te remercie d'être passé par là. Moi aussi, je te remercie. C'était très très bien. Très bien. On a beaucoup rigolé, tout était bien, convivial. Sourire. Ouais. Merci à toi. Je t'en prie, merci beaucoup. Salut. Ciao. Val, oui. C'est quoi ton projet et où surtout? En fait, mon projet serait au Vietnam. Ouais. Je vais tenter plutôt sur sur une crêperie rapide. Ouais. Mais quand tu dis rapide, tu m'as bien expliqué aussi que c'était pas pour autant du fast-food. C'est pas dans ce non. Esprit-là. Non. Hein? Entre fast-food et restaurant traditionnel. Hein. D'accord. Mais on offre un service rapide, ouais. Mais pas à côté de fast-food. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on peut aller manger assez rapidement, mais on est quand même servi. Oui. C'est-à-dire que les gens commandent et après, c'est ce que et puis fait. Et puis à emporter aussi. Et tu feras de l'emporter, du takeaway, comme on dit. Takeaway aussi, c'est oui, d'accord. Avec ouais. Des beaux boîtes comme ça. Ah oui, ça ressemble à bien de l'eau. De quoi? C'est plus dur, peut-être. Non, c'est plus que temps. Ah ouais. Vous parlez de quel de... chien. Ah, un autre sujet. Ça, t'es tombé amoureux du sarrasin. Toi, le sarrasin, ça te plaît, ça? Oui, ça, j'aime beaucoup ces odeurs. Et puis la matière travaillée, ouais. C'est vraiment agréable lorsque tu fais les pâtes comme ça. Ouais. Tu te sens vraiment la souplesse et puis les ordures. Ouais. J'ai une formation CAP restaurant, ouais. Donc je me dis, bon, je vais tenter sur un projet d'ouvrir une crêperie moi-même au Vietnam. Mais avant de commencer, je voudrais me former dans une formation sérieuse. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé l'école. Sérieuse, mais on rigole bien quand même. Ouais, ouais, on n'est pas heureux ici. Hein. Avec vous, oui. Ouais. Ou avec l'école crêperie, l'Heroïque. Ah. On peut tout faire avec. En tout cas, merci d'être passé par ici. C'était un grand plaisir. C'est moi, je dois vous remercier. Vraiment, je découvre la cuisine française aussi en même temps avec une crêperie. D'accord. Merci beaucoup. Merci Val. Merci. Like a bird on